C'est lancé en tout cas. Bon. Huilé. Hop. Ah, je fais du bon bruit avec mon clavier, parfait. Allez, let's go. Coucou MC Sorcière. Alors du coup, ça va bien aujourd'hui? Même si tu es très occupé et que tu es fatigué, ça va? De toute façon, je sais que tu es souvent très occupé dans ce genre-là et que tu fais beaucoup de choses à la fois. Ah, tu jouais pas le délire? Ah, d'accord, sympa. Ah, bah, moi ça va. Oh, pognon! Pardon. Ah, non mais, je me trompe de touche, pardon. Pardon le jeu. Non mais, voilà, c'est ça mes boutons. Oui. Je sors d'un autre jeu où les. Où j'utilisais pas les mêmes boutons du tout pour sauter, donc. Putain, quelque chose ici. Pas grave. Ah, pognon. La presse sera dans le vide, hein, sûr et certain. Ah, pas encore. Ah oui, d'accord, ça va me déclencher le vide. Ok. Ah. Ah. Aïe. Pas trop gentil, ça. Moi, ça va nickel, vraiment, pour le coup. Hop. On va faire ça. Non, vous enfuyez pas. Ah, ça tombe dans le vide. On aime bien quand ça tombe dans le vide. Quand je dis on aime bien, je mens. On n'aime pas du tout quand ça tombe dans le vide. Hein? Ah, ça m'amène au boss. Eh mais il m'a pêché, je me suis fait pêcher par un boss. Oh, malédiction, ce poisson était prêt à mordre et j'ai passé des heures à l'attendre. Tu l'effrayes avec ton accoutrement tape à l'œil. C'est une tenue d'apparat, Tacheron. N'as-tu donc aucun respect pour tes supérieurs? C'est la royauté qui se dresse devant toi. Pff, comment il jette. Je ne respecte qu'une chose, la richesse, et tu m'as l'air de porter la tienne sur toi. J'apprécie le compliment. Le truc avec le plaqueur, c'est de bien le faire reluire en frottant dans le sens horaire avec un chiffon doux. Il est trop drôle. Oui, non, mais c'est King Knight, hein, faut pas chercher, c'est pas un personnage très gentil. N'empêche, il est marrant. Il nous apprend comment on fait avec le plaqueur. C'est sympathique, non? J'y songerai en balançant ton armure dans ma chambre forte. Famille, enfin, bien sûr, prends ton temps. Après t'avoir balancé toi par-dessus bord. Oh, c'est pas très gentil, monsieur. Ouch! Petit cœur. Ah, je pensais que c'était du pognon, pas du tout. Petit cœur. Ah, on est sous l'eau. Petit cœur. Donne-moi un petit cœur, s'il te plaît. J'ai bien besoin. Ah, mais il me fait des feintes. Ah, merci bien. Non, j'aime pas ces trucs-là. Ah, tu m'emmerdes. Voilà, merci. Oui, le personnage d'en face était plutôt méchant, on est d'accord. Hein. Il voulait me balancer, là. Comme un mal propre par-dessus la mer, non merci. Hein.
Même pas de dialogue par contre, c'est un peu surprenant ça. Tu me diras non, pas forcément, mais. Il se fait battre quoi, mais. Mais quand même, c'est un peu étrange, je trouve. Alors. Il a été battu en tout cas, dans tous les cas, ça c'est sûr. Je pensais pas qu'il y aurait un boss dans ce niveau-là, c'est marrant qu'il y ait des petites surprises comme ça. Alors, on va finir ce niveau normalement. Avec les 7 à les grenouilles. Ouais, faut que de me tromper de bouton. Hein. C'est ça pour sauter, hein. C'est A, c'est pas. Il fait, ça veut pas dire quelque chose de planqué? Oui, une connerie. J'ai eu ça donc on s'en fiche. Ça je peux casser. Enfin si. Pomme. On veut le pognon. Merci. On veut ne pas le casser. On était passé par en haut, c'était très compliqué, je me rappelle. Là ce coup-ci on va passer par en bas. Oh bah il m'a sauvé en me tapant lui, je comprends. Hein. Ouais, c'était plus compliqué là d'être sauvé. Hein. Alors, non, allez pas trop loin, s'il vous plaît, j'ai besoin de. J'ai besoin de cette plateforme. Voilà, merci. Ah, il est blanc lui. Et il crache des grenouilles. Attends, voilà, merci, c'est ça que je veux. Oui, bah. Il y a peut-être quelque chose sur la droite en vrai. Ah, sur la gauche, je veux dire. J'ai pas été regardé. Et ça, c'est débloqué immédiatement accès au. Au village, évidemment. Alors que moi, j'ai fait tout un tour inutile en passant par là, là. J'ai fait tout ça à la place. Mais d'accord, très bien. Alors, le Bayou Buenant. Mais faut que j'arrête de faire ça. Hein. Salutations, gardant doré, gloire au roi Carpom. Quel étrange accoutrement, c'est une coutume locale? Vous devriez voyager un peu. Eh bien justement, j'ai été choisi pour devenir missionnaire du roi Carpom. Je vais découvrir le monde. Je vends des héritages pour financer un périple. Intéressé? Grenouille, voulez où vous voulez. Ah non, voler où vous voulez dans une jolie bulle. Ah. Bon, je suis clairement intéressé. Oh, Carpion m'a dit que j'étais coincé dans ma bulle, à présent je n'ai plus de problème. Comment ça fonctionne? Là, je vais me mettre dans une bulle. Coucou Racha, comment tu vas? Et je peux en ressortir comme ça, d'accord. Ok, c'est pas mal du tout en vrai. Hein. Attends, déjà on va faire ça, pognon. Ouais, donc c'est ça, c'est ce que je pensais. Ici, je peux pas faire ça. Je peux pas monter comme ça du tout, non, vraiment. C'est vrai qu'il me redonne pognon à remonter ici, mais. D'accord, je dois faire comme ça. Bah, moi ça va, écoute, je suis tranquille en train de streamer, donc c'est bien. Pipi, pipi, pipi. Chose ici, non? Ah non, c'est juste que ça veut dire que là je peux faire ça, d'accord. Ok, bon, deux secondes. Attends, j'ai. C'est pas comme ça que je dois faire. Je dois faire. Ouais, si, c'est exactement comme ça que je dois faire, pardon. Ok. Marrant ce pouvoir de bubule. Enfin, ça me force à faire ça. C'est super drôle.
Allez, bubulisons. D'accord, c'est un peu de la triche, mais c'est marrant. C'est même super marrant. Alors. Bonjour, monsieur. Extraordinaire, vous avez réussi. Me voici donc perdu, alors que ma mission vient à peine de commencer. Mais alors que j'avais cruellement besoin d'aide, vous avez accouru avec galanterie pour m'aider. Ça ne peut être que le fruit du hasard. Le fruit du hasard, gardant doré. C'était chouette ton streamer, j'étais bien dessus, Rachin. J'essaierai vraiment de passer vendredi, mais je suis pas sûr de... Enfin, je passerai, mais je sais pas combien de temps, c'est un peu le souci, ça dépendra vraiment du boulot. Il s'agit assurément d'un signe du roi Carpom. Ah bah oui, forcément, tu connaissais pas. Emmenez-moi avec vous afin que je puisse prêcher sa bonne parole. Alors, en fait, dans cette version-là, tu as une charge, tu tapes quelque chose avec ta charge, tu pars comme ça en mode toupie. Et si tu retombes sur quelque chose en toupie, tu as redroit une charge, en fait. Bon là du coup j'ai un pouvoir magique avec une bulle qui utilise de la magie donc. Là j'ai magie à volonté grâce au statut, mais sinon voilà. J'ai fait tous les autres DLC déjà donc. J'ai pas fait tous les défis je crois par contre. J'ai pas fait ceux de Plague Knight, parce que Plague Knight m'amuse moins en fait. Du coup ça me permettrait de faire ça ici par exemple. Mais ça je peux y aller de toute façon donc. D'ailleurs je peux courir, hein. Je sais pas pourquoi je me fais chier à chaque fois. Yay. Bon. Merde. Oh, je ne suis rien sans son auditoire et il est rare que cela intéresse quelqu'un. Votre mère est tout bonnement adorable. Non, 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 silence. Oh, alors, 6005, ah, je peux en acheter un. Je peux rush, c'est mon armure en fait. Normalement elle est dorée, tu sais, mais là du coup, vu qu'elle est pas dorée, je peux rush un peu. Ça me sert pas à grand chose honnêtement, parce que dans les niveaux je meurs, je suis très nul avec ce gameplay. Ah. Comment je fais ça? Ah oui, non, ça c'est pour ça. Ah, d'accord, j'ai le choix entre deux pouvoirs, ok. J'imagine. Non, j'en ai deux. Comment je tournoie? Non, ça c'est ça. Ça c'est pour pleurer, pour récupérer mes cœurs. Heureux. Info. Non, mais ils me le disent en plus. Tournoyer. Ah, genre comme ça en fait. Tout simplement. D'accord. Faudrait que je tournoie comme ça pour aspirer l'or. C'est bien, c'est des pouvoirs qui se cumulent. Regarde cette. D'ailleurs, regarde, Racha, cette belle peinture que j'ai payée, genre, je sais pas, 10 000, un truc dans le genre, qui me permet d'avoir accès à un truc incroyable, attention. Non, c'est pas ça. Non, mais chut. Ah! Bah, en fait, non, merci, mais c'est pas... Regarde. Haha! Bref, les détails de jeu me tuent à chaque fois, c'est génial. Ah, mais toi, faut que je l'affronte au justus, du coup, mais bien sûr. Comme si cette nef était en état de naviguer. Pff. Naviguer dans les cieux, quelle folie. Jouer au Justus aidera peut-être à améliorer l'ambiance. Et oui, parce que dans ce jeu, il y a un jeu de cartes. Oh là là! Le Justus. Ah, il fait tout exploser, lui. En même temps, ça lui correspond bien. Pas mal, ça, ici, ouais. Il va me dégager. Faut que je dégage ça avant que ça m'explose à la figure. Hop. Bah ça c'était sûr de toute façon. Mais Ah j'ai rien pour pousser en bas tiens. C'est un peu nul. C'est quoi déjà lui ce qu'il fait? Ah oui lui il pousse vraiment violemment. J'avais oublié. Si je fais ça, ça m'arrange pas forcément. Je
Je le poussais vers en bas, mais j'ai rien, j'ai aucun symbole vers le bas, c'est dommage. Faut que j'attende un peu d'avoir un symbole vers le bas et je le ferai à ce moment-là. Le truc, c'est que si je fais ça, il va le pousser direct sur le côté, ça va être chiant pour moi direct. Urgh. Ah bon, on s'en fiche. Hop. Ah oui, non. Encore le même souci, quoi. Ah, c'est pas mal du tout, ça, en fait. Hop. Il va me pousser, hein, c'est sûr, mais bon. C'est pas grave, ça, je peux le pousser en bas, à la limite. C'est pas tellement gênant. Alors, si tu comprends rien, c'est normal, hein, c'est... En fait, tu vois, il y a des cartes qui ont des flèches simples. Les flèches simples peuvent être poussées par les doubles flèches qui vont dans le même sens. Genre, tu vois le petit dragon là qui a une flèche en haut, une flèche en bas, c'est-à-dire que tu peux le pousser que sur les côtés parce qu'il y a un bloc en haut qui va empêcher d'être poussé en haut et en bas qui va empêcher de pousser vers le bas. Je suis pas clair du tout. Genre, est-ce que j'ai... Mais j'ai rien de bien dans ma main, c'est fou. Je t'expliquerai bien, mais il faudrait des trucs bien dans ma main sinon. On va te mettre là, toi. Voilà, j'ai gagné parce que il peut plus jouer. En fait, tu peux pas être. Le but c'est d'avoir le plus de joyaux que l'adversaire. Sachant que tu peux pas poser tes cartes directement sur les joyaux. Jusque là, les trucs verts là, qui sont bien présents. Et donc t'as des directions sur tes cartes. Ce qui veut dire que tu peux pousser les cartes dans les directions montrées sur ta carte et que tes cartes ne peuvent pas être poussées dans le sens inverse de ces directions. Et ensuite il y a des trucs genre les bombes qui font que tu peux exploser les rochers qu'il y a là-haut par exemple. Les doubles flèches qui peuvent pousser les flèches simples mais qui peuvent pas se pousser entre elles, les petits symboles qui ont des effets particuliers, enfin bref, il y a pas mal de choses et c'est franchement chouette. Moi je récupère carrément sa carte, je sais même pas c'est quoi son effet, j'ai envie de savoir. C'est quoi c'est... Ah, ça peut être poussé. Et lui, comme tu vois, il y a une flèche en haut en bas, ça veut dire qu'il peut forcément être poussé en haut et en bas. Ah non. Après la pause des flèches. Après la pause, les flèches changent de sens à chaque poussée. Ah mais c'est super chiant. Pour les adversaires et comme pour toi, en vrai, c'est super chiant lui son truc. On peut remplacer ça. Bon. Si au moins je vais pas parler lui, peut-être quelque chose à me dire, tu me diras. Et mon but c'est d'être le roi du Justus en fait. Donc de gagner contre tous les champions de Justus. Le premier champion du Justus c'était le vrai roi, donc celui qui fait la cour à la maman. Pardon. Et mais en fait, moi où je pensais qu'on allait l'affronter au Justus, son personnage il y va, il y va en mode bourrin, quoi, en mode oh, Justus c'est bien mais pas envie. Vous voyez ce fourri, il cache la marque Crapom. Même d'ici, on ne peut pas voir grand-chose. Ah. Et comme tu peux le voir aussi, il y a une map qui est sur plein de petits niveaux. Et c'est pas des gros niveaux comme dans les autres. C'est vraiment tout plein de tout petits niveaux. Qui n'ont pas tous un boss à la fin, hein, du tout. Hop. Ah, pognon. Ah, et du coup, d'accord, c'est... Ah ouais, c'est ça, ça attire les... Ok. Ah mais il m'emmerde lui. Pognon. Les blocs comme ça on les aime bien, on peut pas leur sauter dessus, c'est infernal. Voilà. Quelque chose là-haut? Non, y'a rien. Ouais, c'est très très... C'est toujours aussi joli, hein. C'est toujours aussi joli, ça, y a pas... C'est toujours rempli d'idées, d'ailleurs, hein. Tu pourrais dire, au bout de la troisième extension, ils perdent un peu des idées, pas du tout. Y'a toujours autant d'idées pour chaque... Ah, d'accord, ça... Ah, c'est pour faire uniquement passer en dessous. Ok, on va pas passer par là. Ok, qu'est-ce qu'il y a par là-bas? Il y a un chemin là-dessous, il y a un chemin ici. Je sais pas lequel prendre, honnêtement.
Et truc gris. Quel truc gris? J'ai pas suivi. Donc le chemin intermédiaire, enfin l'autre chemin devait être celui d'en bas du coup. Aïe. Oh tu me saoules toi. Oh tu me saoules toi, on va te skipper hein. Hop. Non je voulais le cœur en fait. Est-ce que j'ai pris le checkpoint? Ouais j'ai pris le checkpoint. Ah il y a quelque chose là-dessous. Ah merde. Comment je suis censé y aller? Ah. Attends. Non je sais pas. Comment je suis censé y aller là-dessous? Il y avait un ennemi qui me permettait. Ah il y avait le scarabée putain. Es-tu revenu? Ah bah parfait. Monsieur le scarabée. Voilà j'ai besoin de vous. Voilà très bien. Voilà, chemin aléatoire, enfin chemin intermédiaire. Oui, oui, sinon je peux faire ça et mourir comme un caca parce que je sais pas jouer mon personnage. Bonne idée. Tu me saoules toi. Va dans la lave, merci. Non. Voudrais-tu bien refoncer, voilà. Comment je fais mon compte pour faire ça? Enfin, honnêtement. Bon, c'est pas grave, j'avais pas tellement d'argent. Ah, mais il me gonfle! Il me gonfle ce petit truc. Pourquoi je fonce par là? Je pourrais foncer sur le mur et attendre patiemment. Tu me diras, j'ai peur qu'il tombe dans la lave si je fais ça, mais bref. J'ai réussi la première fois du premier coup et là, pas du tout. Allez, viens. Voilà, attends. Attends, le T-Rex va me renfoncer dessus si je fais pas gaffe. Non. Voilà, j'ai besoin de toi. Non, j'avais amené jusque là. Je déteste ce jeu. Allez, fonce. Allez, refonce. C'est pas difficile. Juste prendre son temps. Voilà. C'est quoi, on va un peu... Ah mais non, je pensais que j'avais les bulles. Pourquoi c'est pas les bulles que j'ai sur ma magie? Pourquoi c'est ça que j'ai? C'est nul ça, j'en veux pas. Donnez-moi les bulles, elles sont où mes bulles? Bah ouais. Ouais, c'est ça que je pensais que j'avais moi. Voilà. Comment ça fait peur? Casse-toi. Je sais que j'aime le pognon, mais là on va pas aller le chercher celui-là. Il donne des cœurs. Ah, quoi que je peux en fait. Ah, je peux, c'est bon. Pognon. Ce que j'ai perdu, c'est pas plus mal d'aller en chercher un petit peu, je pense. Hein. Ah, mais c'était un piège à con. Et le con, c'est moi. Pardon. Ah. On y retourne. En plus ça c'est super stressant à faire. Non ça va, c'est l'autre, c'est aller chercher l'autre qui est chiant surtout. Et là ça va. Bon là tu me... Merci.
Voilà. Ça va que j'ai des réflexes un peu pas trop nuls. Jamais je pourrais vous rattraper, vous. Au moins le gros, voilà. Et comme je tourbillonne, ça me fait gagner mon pognon. Pas déconnant. Pognon ici. Pognon ici, mais faut aller chercher là. J'ai plus de magie, hein, donc je suis dans la merde après si je fais le con. Non, 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 non. Je vais pas faire ça. Je pense que je vais pas être loin de la fin. Tant pis, on y retourne. Les chemins alternatifs sont plus compliqués que les chemins normaux. Normal, quoi. Et... Allez, c'est parti. Je sais même pas comment je suis censé passer ici, en fait, si je fais pas ça. Si j'utilise pas la bulle, que je triche pas complètement. Je dois faire ça, en fait, tout simplement, bah oui. Bah oui. Je sais pas pourquoi je m'embête avec mes bulles. Hop, se casse. Mon point c'est qu'on a déjà récupéré le pognon qu'il y avait sur les côtés, donc normalement on est plutôt tranquille là-dessus, on a pu le récupérer. Non, on va pouvoir faire ça. Ici on va faire ça, voilà. Oh, c'est méchant ces trous de taupe là qui... qui font chier. Bon, chemin alternatif. Mais notre caveau volcanique. Barton, la cité perdue est le paradis des fouineurs. Mais je suis tellement chargé de butin que je n'arrive plus à sortir de là. Si je partage avec vous, peut-être pourrons-nous galoper d'ici. Ah, j'ai que 4 médailles, donc... On a peu d'un peu éboulement, quoi. Eh bien, revenez quand vous aurez plus confiance en vous. On a peu d'un peu éboulement. Oui... Est-ce que ça veut dire quelque chose? Une idée, si ça veut dire quelque chose, je ne comprends pas. Bon. J'aime bien son animation, il remet sa petite couronne et tout. Ça me marre à chaque fois. Revenons ici. Hop. Ah non, ça je peux pas. Ah. Faites-moi la paix. Hop, pognon. Là. Ah, du coup on va, en fait j'ai pas besoin d'y aller du tout, hein. À aucun moment, hein. Ah, pognon ici quand même, donc bon. Et là, pognon aussi. Ah ouais, pognon clairement. Gros bâtard lui. Il a failli me tuer. C'était pas très gentil du tout, monsieur, ça. Ici. Voilà, hop, on s'en fiche. Maintenant, on fait le chemin normal. Hop. Voilà. Allez, donc faut que j'aille en dessous, mais d'abord on va chercher ce qu'il y a là-haut. Voilà. Voilà, ça il faut que j'aille. Ça bouffe. On va le prendre, hein. Alors. Ah, oh, j'aurais dû faire la bulle. Pourquoi j'ai pas fait la bulle? Il m'a fouetté l'armure.
C'était pas très gentil. Je me suis pas cogné contre lui parce que j'étais en frame d'invulnérabilité et du coup ça m'a jeté dans, ça m'a foutu dans la lave. C'était très très gentil, j'étais en clignotant. Ça m'a pas mis en moment où je saute. Alors peut-être parce que ça l'a tué, je ne sais pas. Je crois pas. Hein. C'est un peu bizarre si ça le tue, ça fasse pas l'effet habituel. Ah, évidemment. Ouais, si, mais quand c'est le tue, ça fait ça, on est d'accord. Hein. Bon, faut que je me cogne. Non mais faut. Voilà, merci. Tu peux pas m'embêter longtemps. Fais faire nimp. Et du pognon ici déjà. Voilà. Important. Je vais aller chercher ce qu'il y a. La petite. Une médaille qui est là-bas. Hop. Bon. Monsieur. Voilà, merci. Oh, ça m'emmène où ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais au secours? Ah. D'accord. Ah oui, c'est pas gentil. Sauf que tu restes là. Ah non, pas pour ça, malheureusement. Ah, attends. Merci bien de me redonner ma vie. On va tricher. Ah, tant pis. Je ne peux pas tricher comme ça apparemment. Je pense pas que ce soit comme ça qu'il fallait que je fasse parce que je me prends quoi à chaque fois, c'est un peu bizarre. Ouais, j'ai compris en fait. Hop, un peu tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est chiant? Un ennemi dans lequel, pour lequel faut attendre. Généralement, il n'y en a pas trop dans Chevenet de vie obligatoire dans lequel tu es obligé d'attendre contre eux. Les boss, tu peux toujours full les bourrer quasi. À quelques exceptions près, hein, mais en général. C'est bizarre pourquoi des fois ça veut pas. Tu me saoules quoi, alors vraiment, donne-moi un cœur. Sympa. Et on se casse. Donc ça va foutre. Mais faut pas qu'il soit au-dessus de moi, il est chiant aussi. Ah, il m'embête, hein. Ouais, bah du coup, D'accord, c'est ça qu'il faut faire un peu normalement. Faut pas qu'il soit au-dessus de moi, faut qu'il se casse. Oh là là, ce qui est embêtant. Donne-moi mon cœur. Merci.
Ah bah ça m'a pas mis en... Au secours. Attends. Deux secondes, monsieur. Non. Attends. Prends ma vie. Cracher son feu, là. Mais non, je vais foncer dessus. Mais... Je comprends pas bien. Je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je fonce dessus et... Une fois que j'ai fait ça, mais... Des fois, j'ai pas besoin. Je sais pas. Honnêtement, je comprends pas. Je suis pas sûr. Merci, bah ouais, mais... Je suis honnêtement pas sûr de ce qui... Ce qu'il fallait faire. Tant pis. Enfin, il est mort, hein, donc maintenant tant mieux, mais... Alors, en général, je trouve le jeu toujours très très clair sur... Faut faire là, j'ai pas bien compris. Je pense que c'est juste moi pour le coup, c'est pas le jeu. Alors maintenant c'est l'explosatorium. Eh bien soit. Ah, me suis trompé le bouton. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Ah oui, c'est vrai qu'il y a des. Et les trous, quand c'est des cascades, c'est que c'est des trous. J'avais oublié ce petit détail. Ah oui. Ah du coup ça les éteint l'eau, c'est marrant. J'avais même pas fait le rapprochement dans ma tête quoi. Ah d'accord, donc ça sur ça je peux pas rebondir, ok. Ah j'aurais pu utiliser le blob. Il y a donc plein de sous, ils sont cool. Tout ça pour retomber parce qu'il y a le courant qui m'emportait, j'ai été idiot. Quelque chose ici? Non, même pas. Ah. Vous voulez le pognon? Ok, bon. Je sais pas trop ce que c'est cette chose, mais... On dirait un monstre des vieux Zelda qui va se foutre en deux morceaux, tu sais. C'est vraiment ça. Ah, c'est marrant. C'est vraiment marrant. Ouais, ça je peux pas foncer dessus, c'est vrai. On va pas trop faire le con ici du coup. Rebondir dessus. Je crois pas ils ont les bords, ouais, ils ont les bords chiants. Alors là lui. Ah, j'étais pas prêt pour ça. Gros saut comme ça d'une plateforme à l'autre, j'étais vraiment pas prêt. Ah non, j'ai perdu du pognon, j'avais pas vu. Ouais, je peux pas faire la toupie que ce soit ici. Ah si, là. On va pas faire le con, hein. Hop, voilà. C'est pas trop mal passé.
malgré la mécanique qui était quelque peu frustrante, mais marrante. Hein. Une bénédiction est alors entonnée afin d'inciter la fortune à sourire au nouveau monarque. Et voilà. Oh, je n'aurais jamais imaginé qu'un couronnement puisse être si complexe. C'est pas grave, c'est normal d'être fatigué, il est 5h du mat. Mon garçon a vraiment encore beaucoup à apprendre sur ce que signifie être roi. Votre fils déborde de potentiel. Mon rôle de dirigeant consiste à m'assurer qu'il puisse s'épanouir dans la sécurité et le confort. Grand Dieu, tout ce qu'on raconte est donc vrai, vous êtes aussi noble que fringant. Je n'aurais pas dû dire ça. Loin de moi cette pensée très chère, ma noblesse peut être une malédiction. Car bien que je sois un roi, je ne désire rien tant que d'être un homme. Ah, vous tombez bien, le roi Fierland nous disait justement que nous approchons de la mare Carpom. Oui, oui, la mare. Oui, bien sûr, la mare Carpom. Pourrais-je vous dire un mot, mon garçon? Un conseil, précisez attention, si vous voulez espérer remporter la victoire. Le roi Carpom est bien moins tolérant que moi face au manque de respect. Écoute le roi Fierland, mon chéri. Grâce à lui, nous sommes tout proches du roi Carpom. Acceptez ma gratitude pour vous soutien. Ah, ouais, Milady. Pour votre soutien, Milady. Votre mère et moi marchons à l'unisson sur ce point. Comment ça, à l'unisson? Mère, de quoi parle-t-il? Nous vous interdisons de l'approcher. Allons du calme, et n'oubliez pas de vous montrer respectueux envers le second juge du Justus. Il récupère pas sa couronne. Plus de mauvaise activité, je suis également un gémolum compétent. Ah oui, c'est pour mes armures. C'est pour les armures. J'ai pas assez de pognon, je pense, pour faire grand chose en vrai. J'aime beaucoup la tête du pilote à chaque fois qu'il tourne comme ça. Oh! Plug Knight! Merci, je te dis que celui est trop exposé, tes calculs sont forcément erronés! Des craintes, mon ami, notre laboratoire secret est impénétrable aux oreilles indiscrètes. Oh non, je te l'avais dit, nous ne sommes pas seuls, je ne dois pas être vu aucun temps, Percy. Caracole de parabole, comment êtes-vous arrivé ici? Probablement en passant par la porte grande ouverte, comme tout le monde. Et ne serait-ce point un décanteur derrière vous? Interdit de regarder, cet endroit est secret, vous n'avez pas le droit d'être là. Bon, mon petit Percy, c'est à toi de jouer maintenant. Ça va ruer dans les brancards, vil espion. Il se bat, lui? Ah, il fait des charges, il est marrant. Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je tape pas tant qu'il a ça dans les mains, hein. Ouais, je m'en doutais. Ah! Voilà! Il fait des blackouts et tout, le mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il est fou. Ah oui, non, moi je te tape pas tant que t'as ça. Hein. Ouais, tu te tapes tout seul avec ça, hein, moi je t'approche pas. Hein. On va le chercher. Hein. Ah! C'était fourbe ça! Bon, c'est pas grave. Tu as encore causé des catastrophes, Percy, et je vais devoir me nettoyer derrière toi. Ah bah oui, évidemment. Oh là! Évidemment que ça cachait quelque chose, hein. Arrête de creuser des trous dans mon... Attends, qu'est-ce que j'ai comme magie qui... Est-ce qu'on foutrait pas des... En duel, quand les... Ah, c'est ça. Allez-y. Allez-y, les confettis. À l'attaque. Ça coûte cher, les confettis, par contre. Je peux pas en faire 50, hein. Allez-y les confettis, le retour. Il n'y aura plus de retour des confettis après. Hein. Voilà. Eh ben, bonne nuit, Racha.
Repose-toi bien. Stephen, lui. Je sais pas jusqu'où il comptait creuser comme ça, mais il y allait, hein. Et ça me fait gagner des sous, donc je peux retourner dans le vaisseau. C'est marrant que les combats ils changent comme ça. Ils changent les boss et tout, c'est fun. D'ailleurs, toi t'as quelque chose peut-être. T'as compris de meilleur, vous êtes en train de devenir un bas dans le truc. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que c'est le verre aujourd'hui? Dans les abysses noirs de l'océan sans fin, la vérité, corps et bien, pour toujours sombré. Les larmes ont disparu, noyées dans les embruns, les eaux impitoyables, un tribut fut versé. Qu'est-ce que je... Ouais, non, c'est peut-être de la bouffe pour moi, toi. Moment. Oui, Voilà, comme ça. Pas d'argent ne sera gâché, où que ce soit. Parfait. Je vais bientôt être au max de cœur que je peux avoir, je pense, hein, pour le coup. Let's go. Alors. Il me manque encore 3 médailles, hein, donc faut que j'aille les chercher. J'en ai eu qu'une seule ici. Oh, j'ai été naze. Ah, puis il y a un chemin caché que j'ai pas eu non plus, oh là là. Bon, c'est pas grave. Ça, j'ai pas fait, et ça, j'ai pas fait. La cité perdue, gorge visqueuse, qu'est-ce que c'est que ça? Quand ça fait rebondir, c'est marrant. Hop. Après, c'est marrant parce que là, c'est le... il me montre comment ça fonctionne, mais après, ce sera beaucoup moins marrant, je pense. Ah, je rebondis forcément dessus en fait, d'accord, c'est ça qu'il voulait me montrer. Pas le choix. Faut que je te libère, toi. Oh là là, c'était compliqué ça, hein. J'ai bien failli mourir en faisant ça. Ça paraît compliqué cette histoire. Voilà. Ici, prends quand même. Attends, il y a quelque chose ici. Ouais, il y a clairement quelque chose ici. Hop, on y va. Je vais faire ça, je vais faire ça, non, plus bas. Voilà. Ah, faut que je fasse ça mieux, beaucoup mieux. J'ai fait ça très très mal. Je comprends toujours pas bien mon perso, des fois je fais les choses dans le désordre. Ah, mais j'ai passé un passage qui était bien stressant, j'ai pas envie de le refaire. Bien, c'est que lui peut le tuer, je me disais qu'il pouvait pas ça. Hein. Non, non. Eh bien, je suis prêt à mourir. Pour avoir ce chemin caché.
Allez, on y croit, tout va bien se passer. Hein. D'ailleurs, on va retirer, on va remettre les bulles. Hein. Il est parti. Je pensais qu'il restait un peu plus longtemps, mais non, il s'est cassé quand je suis arrivé, il m'a pas attendu du tout. C'est pas son tempérament d'attendre les gens, apparemment. Il m'a tellement trollé. Et c'est vrai, ils ont toujours été comme ça, et pourquoi ils changeraient, mais je sais pas, dans ma tête, il m'attendait gentiment. J'ai envie de faire une bonne action. Tu me saoules, toi. Je sais pas que ça va faire de t'affronter. Ils ne t'attendent pas, ils reviennent par contre, donc je vais prendre mon temps. Voilà, on va attendre qu'ils repartent et qu'ils reviennent. Voilà. C'était pour une petite médaille du coup. Alors, on accepte la médaille. Hein. Il va mourir lui. Ouais, le timing est un peu chaud, hein, mais après c'est un endroit qui est pas obligatoire donc forcément. Ils ont tous du pognon comme ça, moi je les veux tous, hein, non. Il est où mon checkpoint? Ah, il est là. Il suffisait de le demander. On est d'accord que c'est pas très rassurant ce coin là. Hein. Enfin, c'est quoi qui suis un peu peureux et... quand il y a la lave partout, mais. Possible. Hein. Je ne nie pas les faits. Non. Oh. Mince. Je me suis pris le mur. C'était pas prévu. Un saut mal calculé et ça va vite. Allez, c'est pas grave. Alors, pognon, pognon. Merde, ennemi, je l'ai pas vu. Ennemi, fait chier. On s'est bien rattrapé sur ce coup-là. Ouh, ça a bien fait très, très mal finir cette histoire. Ah, merci bien de me laisser ça. Ouh! Eh ben, c'était serré. C'était serré. Parfait, j'ai 9 médailles. Ce qui veut dire que je peux aller chercher. Ah! Mole Knight! C'était pas celui que j'étais censé aller chercher, mais d'accord. Ouais. Oh, dans les bains. Ah bah, tu m'étonnes qu'il est pas content. Quelqu'un n'a pas lu la pancarte baignade interdite et a cassé le jacuzzi perdu pile à l'heure de ma pause. Bah, un aristocrate de notre rang ne s'abaisse pas à lire les pancartes, Manon. Nous préférons parler et être obéis. Ici, je suis le contremaître et je décide. Mes pancartes sont là pour une bonne raison. Dans mes cavernes, ceux qui cherchent à s'élever au-dessus des autres, je leur remets vite les pieds sur terre. Oula! Oh, attends. Il était là-dedans? Pas du tout. Je peux pas le taper quand il est vert ou alors il rebondit? Ah d'accord, il rebondit.
Ah. Bon, c'est pas grave, ça me va, hein, je te tape ici. Hein. Oh là, je voudrais bien sortir de là. Voilà. 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 On a vrai pour le jacuzzi, hein. Je pouvais pas savoir, je lis pas les pancartes. Bon. Toi, maintenant j'ai cette médaille. Oui. Alors, je vais jouer un tourbillon de flammes. Ah, c'est marrant. Et je peux... Est-ce que je peux m'arrêter avant? Non, je suis obligé de faire la fin. Ok, donc je peux pas juste... Ok, donc s'il y a quelque chose de fragile en dessous, c'est compliqué, quoi. Maintenant, ça coûte un peu cher en magie, mais ça, c'est normal. Oh, ça le fait direct, lui, par contre. Il y a quelque chose là. Ouais. Oh là là, je me suis fait peur. Ah, donc je peux arrêter par contre, il y a une échelle, ok. Bon, alors, ce que je voulais, c'était ça, voilà, le pognon. Ok. Voilà, il fallait faire un timing un peu plus précis, mais ok. Ah, de l'air frais, les chevaux et les grottes n'ont jamais fait pour mes âges. C'est votre dirigeable? Ça vous embête si je fais un bout de chemin avec vous? Je vais récupérer combien de gens dans mon dirigeable? Ah oui, non, je suis obligé de faire comme ça aussi jusqu'à la fin, c'est marrant. Pipidim. Qu'est-ce qu'il va, lui, du coup? Est-ce qu'ils vont tous rejoindre là-bas? Genre avec Mona et tout. Ah tiens. Ah Calvi, encore merci pour votre aide. J'ai plus d'or que je veux emporter, alors je vais vous enfiler un peu. Ah. Pour une seconde, je pensais que c'était une pince à jus de gâche. Je pensais que c'était une pince à jus de gâche. De quoi tu parles? Ah oui, là. D'accord, je vois de quoi tu parles. Oh, Mona, ah, elle est vraiment là. Devrais-je aller lui parler? Je ne sais pas quoi faire. Enfin bon, je préfère encore vous exploser juste dessus et garder les mains propres. Oui, Mona et lui, ils ont une relation amoureuse. Mais là, c'est avant, donc... Ah, faut casser les joyaux avec les bombes. Bah, il va s'en occuper. De toute façon, moi, j'ai rien pour... J'ai ça pour casser, c'est pas ouf, hein. On va le garder pour plus tard. J'ai rien de bien, c'est... Faut en mettre ça là, que ça gênera rien du tout. Vers là-haut. Voilà, nickel. Continue le boulot, monsieur. Moi, ça me va. Je vais continuer mon boulot. Ah, mais non, mais j'ai... Ah, c'est chiant, ça, pour les gens. Pourquoi j'ai que des cartes? Ah, c'est intéressant, ça. Casse tout, merci bien. Merci beaucoup. Voilà, hop, va casser ça. Si vous pouvez casser en bas, ce serait gentil. Voilà, merci bien. Est-ce que t'as quelque chose pour pousser sur le côté? Oui. Est-ce que t'as quelque chose pour pousser en bas? Oui. Tu m'embêtes. Mais moi, j'ai rien pour faire exploser, quoi, c'est fou. Ouais, on va attendre qu'il
le même sur le côté ou en bas, peut-être. Voilà, on va faire ça, en fait. Allez. Is ok. Je peux bien faire ça pour le moment. J'avais pas pensé qu'il ferait ça et que ce serait fini. Oups. Bon, qu'est-ce que tu me voles? Urgh. Oh, ça pique de se faire voler Treasure Knight comme ça. Bon. On va prendre ça, ce serait bien d'avoir des trucs pour faire exploser. Rejouons. Mon deck est pas du tout optimisé pour ce genre de partie où il faut tout faire exploser. Ah, c'est un peu mieux. Mais j'ai rien pour aller en bas, moi. Allez. Faisons exploser tout. Très bien. Quelque chose pour pousser sur le côté et pour pousser en bas, c'est chiant. Ah, c'est pas déconnant ça. Hop. Ça, c'est honnêtement pas déconnant du tout même. Ah, il va utiliser ma carte pour me faire chier, putain, ma propre carte qui va m'emmerder cette partie-là. Urgh, c'était pas prévu ça. Alors. Faut que je fasse tout péter. Et ensuite seulement je pourrais... Ah, je peux pas la pousser vers le bas, ça? Pas encore. Et... Que ça, je peux malheureusement pas le pousser par là, ça explose pas. Donc faut que j'attende qu'il pousse... Que j'ai un truc pour pousser vers le bas. Ça merde. Sans ça, je peux pas faire grand chose. En vrai, si je peux... Non, ça casse pas, j'ai rien pour casser ça. Oh, j'ai rien pour pousser vers le bas, là. J'ai pas des cartes optimales pour m'aider. Parce que juste pousser ça là parce que pour le coup ça va me permettre de prendre une autre case en plus, sinon c'est la fin de partie. Ah, ça c'est bien. Il va pousser vers le bas normalement s'il est pas con. Fait chier, il est pas con. Et après il va pousser vers le bas, ça va me faire chier encore. Celle-ci elle peut être poussée vers le bas malheureusement. Elles peuvent toutes l'être en vrai, donc c'est un peu chiant. Ah, j'ai rien pour pousser vraiment sur le côté. Ah, mais ça se pousse sur le côté tranquillement. Mais si je fais ça, il va me pousser en bas et je serai dans la merde. Bon, je vais me pousser moi-même vers le bas. Pour le pousser ensuite plus sur le côté, s'il est un peu con, ça peut passer. On va essayer de faire ça. Hein. Donc, du coup, il a l'air un peu con, donc... Je m'en sors bien. On s'en fiche. Bon, tu vas me rendre ma carte, monsieur. Déjà, hein. On va commencer par ça. Merci de me rendre ça. C'est à moi. L'exploit, du coup. D'accord, j'ai un succès parce que j'ai récupéré ma carte. Alors du coup j'ai mis ça, mais ça en général j'en aurais pas besoin je pense, hein. Ce sera vraiment exceptionnel d'avoir besoin de ces cartes là. J'espère. Mais j'ai le roi des... Ah oui j'ai... Attends, heureusement je l'ai hein. Bon Du coup... J'ai récupéré mon... Il est où? Ah t'es voilà. Hop. Ouais non. Alors je vais acheter des trucs. Allons acheter des trucs. Je pense pas pouvoir acheter de la vie encore. Oui, toi je t'ai déjà parlé, je sais ce que tu dis. Ah si, je peux encore acheter une dernière amélioration de vie. Je crois que j'achète une amélioration de magie. On va plutôt prendre la bulle. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour survivre. Toi j'étais rien à... Oh non, justice, on s'en fiche. Hop. Alors. C'est à la fin d'une charge. Ah. Lorsque vous êtes en parfaite santé, atterrissez tout en tournoyant des... pour produire des étincelles. Ah, ça peut être intéressant les deux. On va faire ça, ça se fait automatiquement, ça sera plus simple.
Ah oui, ça fait des petites étincelles sur le côté, effectivement, ça va taper les gens sur le côté, ce sera bien pratique. Allez. J'aimerais bien faire le roi Carpom aujourd'hui. Pili pili. Donc ça a été fait. Ah ça il manque le chemin. Ah ouais mais je veux skier là-haut, moi il y a un coffre. Je veux trouver le chemin. Oui je pense qu'effectivement ce sera tranquille ce soir. Mais là je veux le chemin en plus. Qu'est-ce qu'il m'a touché? Ah il y avait un petit gluant pas sympathique. Mon pognon. D'accord, alors toi tu vas la gonfler avec tes bombes. Hop, voilà, on passe comme ça ici. Il faut que je trouve l'endroit qui était caché. Je sais vraiment pas où c'est. Il y a un truc que j'ai loupé. En plus, généralement, tu vois bien les endroits cachés. Ah, ça fait tellement bestiaux les Zelda, ça c'est... Où que ça pourrait être là en tout caché. J'ai eu le checkpoint et généralement c'est jamais très loin du checkpoint quoi donc le truc c'est que je suis presque persuadé que j'ai déjà loupé quoi. Ah, peut-être là-haut. Pourquoi il y a quelque chose là-haut en même temps, je crois. Je peux pas y aller là-haut, on est d'accord, hein. Il y a rien qui permet d'y aller, hein. Enfin, pas par là, en tout cas. Je suis venu par où, moi? Je suis venu par là? Je suis venu par là. Que si je te tue toi à voir non mais rien ne se passe là haut il n'y a rien là haut ah c'était caché mais ça mène nulle part en fait hein. Ouais, non, malheureusement... Oh, j'aurais peut-être dû aller sur la gauche, en fait, et pas continuer à droite. Bah non, sur la gauche, j'essayais, mais rien. Quand j'y vais, là-bas... Il y a vraiment quelque chose que j'ai pas vu. Peut-être au tout début, en fait, hein, je cherchais vers la fin, mais en fait, ça se trouve pas du tout. Allez, dernière fois que je fais ce niveau-là pour ce soir, après, on verra bien. On continuera. Mais là pour le moment. Qu'est-ce que j'ai loupé? Généralement, plus je les vois bien, les secrets, c'est pour ça que ça me surprend aussi. Caché par de l'eau ou un truc dans le genre j'imagine parce que je vois pas trop
Là, j'ai pas besoin de te tuer. Peut-être là-haut. Ah non. Non, non, pas là-haut. En général, c'est pas caché de ouf en plus, c'est pour ça que ça me surprend un petit peu. Hein. Ok, c'était vraiment caché pour le coup là. Effectivement, pas loin du checkpoint. Hein. Voilà, j'ai décidé de foncer sur eux, comme ça j'étais tranquille, je ne mourrais pas par les pics. Voilà, j'ai pas eu tout ça. Ah, j'ai raté, putain. Non. Bon, on va recommencer. Au pire, j'ai ma bulle. Venez les monstres, j'ai vraiment besoin de vous, voilà, merci. Voilà, on se rattrape vraiment à ce qu'on peut des fois. Hein. Oh là 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 là. Merci les bulles, hein. Oh là là, merci les bulles. Sauveuse de vie. Hein. Coffre à carte Bosquet du Cueilleur. Seigneur Doré, je vous salue bien bas. Sont-ce là les pommes qui vous aussi vous amènent là? Si c'est le cas, prenez garde au poisson, c'est contre sa volonté que nous l'échappardons. Oh, il faut que ça rime du coup. Je ne suis là ni pour manger ni pour voler, et puis de tout, il se ferait tollé. Qu'il soit poisson ou qu'il soit fruit, King Knight écrase tous ses ennemis. Croyez-moi, l'ami, vous n'avez aucune envie de mettre en colère un ancien immortel comme le roi Carpom. Il ressemble à ça. Ah, la carte de roi Carpom. Oh, je vais arriver à finir ce monde, je pense. Effectivement. C'est pas mal du tout la carte de roi Carpom, dis-moi. J'aime bien les cartes qui dégagent tout. J'ai pas tant de choses que ça qui tape sur le côté en vrai. Petite souris là, tu veux dégager. Et c'est place au roi Carpom. C'est sûr. Carte mystère de niveau 2. Le Pilibou. Est-ce que j'ai quelque chose qui... Est-ce que Pilibou remplacerait... quelqu'un là-dedans. Pourquoi j'ai des trucs simples alors que je pourrais avoir mieux, quoi? Alors ça me sert à... Attends, non, 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 je me suis trompé de carte. Ça, déjà, c'est bien mignon, mais ça me sert plus à rien. Hein. Honnêtement, ça, j'ai mieux. C'est genre vraiment mieux, quoi. J'ai même ça, s'il le faut, hein, mais... Mais déjà, je peux permettre de mettre des trucs avec des bombes. Un petit peu, ce serait plus intéressant, à la limite. Toi, il y a toi qui est plus intéressant. Peut-être qu'on garde un peu son deck de temps en temps parce que effectivement il y a des trucs qui servent pas à grand chose là-dedans. Bon, c'est ok, on va dire. J'ai zéro respect pour ces pommes. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il a comme pognon, roi Carpom? Bon, j'aime bien. Hein. Ah, une carte.
Je deviens un servito, si je dis pas de bêtises. Ah là, c'est pour partir, ok. Alors... J'ai pas fait gaffe avec mon servitope du coup, et j'en... Ah, c'est pas un servitope ça. Si, j'en ai un servitope, on est bon. Hop, et on s'en va. Bon. Ça a pas été fait, ça? Ah non, pas du tout, effectivement. En fait, c'est comme je l'ai débloqué de tous les côtés, ça me sert à rien de... Ah si, ça... Ouais, on va le faire, hein, de toute façon, mais... Ouais, d'accord, faut descendre, hein. Oh là là. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait... Oh, ça envoie... Je tape dedans et ça envoie le linguer le bouchon. Oh, c'est marrant. Enfin, je dis ça, mais dans 3 secondes, ça va être l'enfer sur Terre, c'est précalique, mais c'est pas grave, c'est marrant pour le moment. Ouais, c'est ça, faut que je casse ça. Pour m'occuper de ça. Bon, t'as fini de... Voilà, hein, À quoi ça me sert de le déboucher celui-là? Oh! Ça m'en donne 2. Si je reste dessus, il se passe quoi? Ça m'emmène jusqu'à où? Moi je reste dessus, hein. Ah d'accord, ça me... C'était pas très gentil. Peut-être quoi être curieux, mais en fait ça me tape. Soit. Acceptons. Ah, j'ai compris un peu tard. Mais attendez 2 secondes. Voilà. Ah. Ouais, bon, ça va. Le timing était pas trop violent. Il y a quelque chose sur le côté. La bouffe. Hein. Oh, c'est quand même bien pensé. C'est pas beau. J'ai eu peur de me faire écraser. Quelque chose là-haut? Une médaille. Allons-y. Ah, c'est un faux coffre celui-là. Je la reconnais. Ces petits bâtards. Ouais, voilà, merci Mia. Faut que je fasse gaffe. Ou il meurt parce que je peux pas tout casser ici. Allez, viens. Ouais, merci, voilà. Saleté de bestiole. Y'a rien contre les araignées, mais toi tu es méchante. On dira, vu que mon personnage est pas spécialement gentil en soi, peut-être raison de le taper, hein. Ah. Bonjour. Hop. D'accord. C'est ça aussi, hein. Vite. Et avec quelque chose sur... Ah non, c'était juste là où revenait le bouchon, j'ai eu peur. Nickel. 3 petites médailles en plus. Il m'en fallait combien avec ma moment pour avoir des... De la magie en plus, il m'en fallait 5, non? On va voir. Pi, 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 pi. Un moment. Il m'en fallait 5, c'est ça. Merci, moment. Est-ce que je fais le niveau d'après ou est-ce que je... m'achète l'amélioration?
amélioration maintenant. On va s'acheter une amélioration. Hop. Donc ça... À la fin d'une roulade, j'appuie sur X, ça fait plus de dégâts, c'est... Non, je fais une roulade à la fin de ma charge. C'est ça l'histoire. On va tester. Ah, c'est... ah d'accord. C'est pour continuer, c'est pour prolonger la charge, d'accord, et faire des dégâts. Très bien. Ah oui, non, faut que je fasse ça. Pour la royauté, à nouveau. Ah bah, allez, là, les explosifs. On a parlé hier. Les rapétaras. Non, les pétaras, c'est ça. Les pétaras, les fameux. Ils sont là. Je vais te poser encore la question. Ah ! Ça, c'est une portion d'un niveau de Shovel Knight. Oui, j'ai beaucoup trop joué avec Shovel Knight, je connais. Enfin, c'était là, c'est plus déjà. C'est déjà fini. Hein. Je peux pas avancer sur ça, d'accord, très bien. Je voulais tester, mais apparemment non. Hop. Il me fait peur. Putain, j'aurais pu y aller comme ça là-haut. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a rien. D'accord. Enfin, il y a un peu d'argent, mais... Quel bordel. Dites-moi, c'est très brouillon, brouillant votre chose, brouillon aussi, oui, mais surtout brouillon. Brouillon non, pas tellement en fait. Pourquoi il mettrait ça là si ça protège rien? C'est marrant, le level design commence à bien passer des fois. Itch. Il y a peut-être quelque chose en haut en vrai. Hein. Ouh, ça a l'air d'aller vers un boss ça. Ah! Un string forcé. Ça ne m'avait pas manqué. Sandra. Ma roulade a servi. C'était beau, moi j'ai bien aimé. Oh, petit anneau. Ah merde! J'avais pas vu la lave, putain. C'était du décor, c'était en bas pour moi. Je l'ai vu vraiment quand c'était trop tard, quoi. Tellement omnibulé par l'anneau que. Un anneau pour les gouverner tous. Putain de blob. J'ai pas fait gaffe, il y a quelque chose ici. Vu que le décor est tout orange là, à cet endroit-là, j'avoue que... J'ai pas du tout vu. Parce que là, effectivement, on est d'accord, il y a la lave juste à côté. Elle se mêle un peu avec le décor et du coup. Je... La flamme m'a dégagé. Il y a une flamme en bas là, et paf! Bon, on y retourne.
ça. C'est cette flamme-là qui va aller là-bas, qui va... Il fait peur. Ouais, d'accord, c'est vraiment compliqué de l'avoir, celui-là. Il est un petit peu bâtard. Quoi? J'ai pas réussi à atterrir dessus, sérieusement? Pourquoi j'ai pas fait la bubule? J'ai une bubule de sauvetage et je l'utilise pas, quoi. Je suis vraiment un peu idiot aussi, hein. C'est ma faute à ce niveau-là, hein. Il m'embête, ce blob, à chaque fois, ici, hein. Perdre du temps. Oui, ça m'amuse. Bon, je peux pas m'en vouloir. C'est pas comme si tu pouvais faire ça dans tous les niveaux. Hein. Pour le pognon. Bon, c'est bon. On l'a fait. Ça fait un niveau là-bas. Bon, il y a des rats explosifs un peu partout. Voilà. Il est mort déjà. Je sais pas s'il est mûr. Bon, j'ai le pognon. Ah, il y a un chemin alternatif qui mène direct au boss, c'est marrant. Les tankers pop alcove des axolongles. Axolongles. Tu imagines. Ah. Ah oui, d'accord, ça les fait reculer à chaque fois que je tape dessus. T'imagines. Ouais, à chaque fois que je leur tape dessus, effectivement, ça les fait reculer un peu. C'est marrant. Ah, c'est trop intelligent. Si c'est que ça. Il faut que je retombe dessus, bah ouais, ça fait sens après. Reviens. Voilà. Pardon, j'ai... Voilà, j'ai ça à les récupérer ici. Merci bien. Petite médaille là-dedans. On aime bien les médailles. Ça se pète, ça, non? Ça, ça se pète. Ok. Alors. Je l'ai pas vu, toi. Merci. Vous êtes infernal. Inferno, vous êtes chiant. Attendez. Merci, hein, parce que...
On a un passage caché là-bas, excuse-moi. Hein. Pas qu'on soit vieux, mais c'est un truc à faire. Ah, ça a pas l'air marrant. J'aime même pas du tout l'idée. Oulala. Ah, le bon point, c'est que ça les a tous dégagés. C'est plutôt une chouette chose. Non, reviens. J'ai besoin de toi, voilà, comme ça. C'est très très bien. C'est marrant comment c'est pensé. Bah oui, bah, va te coucher, bien sûr. Dors bien. T'es pas obligé de laisser le stream allumé, hein. Repose-toi bien, petite sorcière. À tout bientôt. Faites plouf, s'il vous plaît. Merci. Sauf 1, évidemment. Alors, ceux-là, ils bougent forcément... D'accord. Ça, je peux même pas me cogner dessus, en fait, si je voulais, donc... Bon. Faut que j'ai le timing pour aller dessus. Voilà, merci bien de donner ça. Je vais forcément avoir du pognon là-dessous, puisqu'ils sont là. Bon, c'était sûr qu'il y a du pognon là-dessous. Voilà, merci bien. Qui est très très chouette ici, j'aime bien. Ah, les fameux snakes de Mario, qu'on t'a pris dans Rayman, qu'on t'a pris dans plein de choses. Toujours efficace, hein, mais toujours stressant. Évidemment qu'il fait un petit demi-tour parce qu'on s'amuse bien. Oh là là, suivant. Et dans Mario, c'est dans plein de niveaux, c'était dans... ici c'est dans vraiment un seul, quoi. Évidemment que ça me pousse, putain. Gros batteur. J'ai besoin de ça, hein. On va éviter de finir dans la flotte, quand même. Au secours. Est-ce que tu m'emmènes à l'arrivée? Merci. D'accord, bah pas de soucis. De toute façon, je crois que j'arrive à mon but. Les tankers pommes Mar Royal. Qui va me foutre la raclée, hein, je connais. Voilà. Pourquoi la première j'ai pas réussi à lui foncer dessus? Ah, je pensais que... On va ta merde. C'est pas grave, je l'ai eu. Ah, j'ai perdu masse de pognon par contre. Oh yeah, 1400. Ça fait mal. On va mourir aussi, hein. Dit-il en étant sur le point de mourir. Deux fois déjà. En si peu de temps. Mon dieu, je vais mourir. Tellement obligé. Oh là là. Petit poisson à carpin de pas très lentille. Mais arrête de sauter, c'est moi qui saute. Ouais, merci. Non, je suis hop.
putain, c'est passé pas grand chose ici. Hein. Oh là là. Oh yeah, c'est compliqué hein. Ça pour récupérer une pauvre médaille quoi en plus. L'appel de l'argent est très fort. Hein. L'appel de l'argent. C'est raté. Ça pour 50 pièces, ça va tellement pas le coup de le faire et pourtant. Bon, je le fais parce que je suis un peu con. Non. Ah j'avais plus de vie. J'avais pas fait gaffe, j'avais plus de vie du tout. Mince. Je n'ai pas eu tout le bateau. Je ne suis pas libre de mes mouvements, c'est un enfer. Toi direct. Faut que j'arrive à y aller là-bas parce qu'en fait j'ai pas le choix. Les monstres. J'ai plus de dash parce que je venais de la faire. Je n'aime pas le bateau. Il n'y a pas que King Knight et le mal de mer. Voilà, c'est pas mal du tout ça. Ok, donc c'est fini le bateau ici. À la flotte. Ah, un bateau avec du spring forcé. Et des carpomes. Quelle idée incroyable. En vrai, c'est assez génial. C'est du genre, je me plains, mais je trouve ça incroyable. Ah! Je crois bien que j'arrive au roi Carpom. Oh, je vais le faire en bateau. Oh non. Ce second juge du Justus devient introuvable dans ses marais puants. Notre cape est couverte de vase. Les pommes sacrées, toutes trempées! Mes acolytes ont peiné des heures pour les récolter. Qui ose souiller mes os? Nous osons, hors de notre chemin, méprisable créature. Nous sommes là pour affronter le roi Carpom, mais il préfère s'atterrir comme un couard. Ne réussis-tu pas à qui tu t'adresses? Tu as commis une grave erreur en te présentant ici sans être préparé, mortel. Nous n'avons que faire de tes serres, mon pauvre babillard. Mène-nous plutôt jusqu'au roi Carpom, toute affaire cessante. Bouffon impudent, c'est moi, et ma colère est prête à exploser, ma couleur. Je m'en vais t'enseigner les bonnes manières. Oh, le regard vénère. Ok, faut que je fasse gaffe. Ok, je sais pas comment je peux esquiver ça du tout. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette boss des enfers. C'est très compliqué cette histoire. C'est comme ça qu'il faut que je fasse. Ouais, d'un côté ça fonctionne, mais de l'autre c'est beaucoup plus compliqué.
D'accord. C'est trop marrant la pomme que tu vas dépasser. Quelle idée, qu'est-ce que c'est génial ce jeu. Il y a de la vie, hein. Non, non, arrête avec ta pomme. Il a poussé mon bateau ou c'est moi qui suis fou? Des bisous à ces petits poissons, il est trop mignon. Mon bateau. Mon bateau. Non, remets au milieu, bateau. Il verse. Voilà. Et dernier coup. C'était censé être le dernier coup. Voilà, le dernier coup, il est là. Halt, je vous en conjure, par pitié, arrêtez! Acolyte, qu'est-ce qui te trouble ainsi, mon enfant? Ayez pitié, King Knight est là avec la bénédiction du roi Fierland. Il cherche à remporter la couronne du Justus. Le roi Fierland? Bah, tous nos alliés ont-ils perdu la tête depuis que ce tournoi de Justus a commencé? Mais vous êtes porté volontaire, monseigneur. Et c'est ce tournoi qui nous a réunis, non? Oh, tu fais preuve de sagesse, jeune acolyte. J'étais peut-être mal jugé, King Knight. Je te ferai mes adieux au bord de la mare, mon enfant. Pars avec King Knight et représente-moi à ses côtés. Et c'est ainsi que le roi Carpom partagea ses idées monarchiques et ses connaissances à propos de la couronne du Justus ainsi que quelques pas de danse. King Knight fit vaguement mine d'écouter. Quel bâtard, King Knight. Enfin, bâtard n'est pas le bon mot, mais quel enfoiré. Un acolyte de Carpom est monté à bord, pourtant aucun signe du roi Carpom. Je représente Sa Majesté, qui s'est incliné devant King Knight, héritier présomptif de la couronne du Justus. Jésier du mari de Josette. Il a réussi à vaincre le roi Carpom. Cocorico! Détail, il faut tout nous dire, ne nous laissez pas dans le noir. Comment avez-vous fait pour vaincre le roi Carpom? Eh bien, en fait, je ne sais pas trop si. Simple question de stratégie, mes chers sujets. Lorsque nous employons notre intellect supérieur, les réponses se présentent d'elles-mêmes. Excellent, il ne reste plus qu'un seul juge à présent. Mais le roi Piafeu est différent, nous n'avions jamais entendu parler de lui jusqu'à récemment. Si je peux me permettre, sa natatoire fructifiance nous a déjà parlé de... Piafeu, sa natatoire fructifiance, c'est génial. Où de nombreux Piafeux ont tendance à se rassembler. Mais nous n'avons encore jamais rencontré ce nouveau roi. Il y a quelque chose de bizarre, les racines du roi Carpom diffusent un appel à la prudence. Je vais méditer sur la question, sur le pont inférieur, mais n'hésitez pas à passer me voir, King Knight. Il se pourrait que j'ai une surprise de taille pour vous. Y a pas de temps à perdre, rassemblons notre courage et renforçons notre détermination. Cap sur les falaises des Piafeux. Alors, mère, faites-moi à manger une dernière fois. Souverain. Alors. Merci pour le repas, mère. Je pense que je pourrais plus regagner de vie après. Ah. Oh oh oh, surpris de moi, jeune homme. Il fallait bien que j'accompagne mon plus fidèle acolyte. Je voulais sincèrement vous offrir mon aide, mais hélas, en dehors des protectrices de ma grotte, j'ai tendance à souffrir de véritables allergies. Ah, il est allergique, c'est pour ça qu'il pleure. C'est atroce, c'est mon évent. Il était totalement bouché. Vraiment, mon peu débouché à Dieu des jeux du côté de Kenny. Idée, on va
passer par derrière, du coup. On va servir ici, du coup. Ah, Providence, grâce, j'ai à nouveau les idées claires comme libéré d'un épais brouillard. Gloire à vous, mille merci, occupons-nous à présent de problèmes en souffrance. Un roi avisé se doit de promulguer des décrets. Puisse ma sagesse vous tempérer dans vos décrets. Souhaitez-vous en rédiger un, oui. Décret de destruction, invoque un Griffos pour attaquer vos ennemis. Invoque un Carpom qui restaure la santé et la vigueur. Invoque un Piafeu pour vous transporter par-dessus les obstacles. D'accord. Je vais aller voir ce qu'ils me disent l'autre, vu que j'ai poussé l'autre dans le vide. Je suis un peu curieux quand même. Non. Je crois que les Wixi devaient chouette, mais j'ai quand même un petit peu peur. Oui, non. Ah, ben voilà. King Knight, vous avez tellement confiance en moi que vous m'avez poussé dans le vide. Merci, j'ai juste besoin d'un peu d'aide pour faire le premier pas. Je fais tout pour eux. Hein. Ouais, genre, c'est toujours un plaisir de vous voir. Une aura de bonté vous enveloppe, en dépit des pétrilles de nos cohortes. Écoutez, je sais que vous avez prévu de ressortir à Time et d'autres maisons de justice. Ah oui, c'est vrai que lui, il faut... En fait, c'est les maisons de justice, c'est pas les juges. Enfin, c'est pas les trois grands juges. D'ailleurs, t'as quelque chose, toi? 60 médailles de mérite, vous êtes en train de devenir un barde à votre façon. Voilà, hop. Au fond d'un triste gouffre balafre dans la roche, d'or rehaussé, leurs armures resplendissent. Craignant que de leur fortune le terme ne soit proche, les soldats assoupis marchent et s'enhardissent. 3000, je crois pas que je puisse acheter quelque chose en vrai. Donc, Ah si, grâce à ce qu'elle m'a donné, je peux acheter un de ces trucs à lui. Ma grâce vous baigne. un piafeu pour transporter par-dessus les... La santé, j'ai déjà mon bas pour ça. Un griffos, moi j'aime bien, j'aime bien. Pourquoi je peux pas? Ah, j'ai déjà un décret. Ah oui, j'ai déjà des décrets, effectivement. Ah, j'ai déjà celui-là. Bon, on va prendre le dernier, du coup. Ah oui, non, d'accord, c'est deux décrets forcément, ok. Je viens de me percevoir que je n'ai pas payé mon billet à Gardon Doré. Je vous en prie, prenez ceci. Ah. Ça alors, j'étais un peu inquiet à l'idée de voler pour le roi Carpom, mais quelle vue, quel vaste monde. Du coup, je peux rien acheter, ça m'embête un peu, hein. Ah, j'ai pas fait ma partie contre toi. J'aimerais retourner dans ma mine, tout ce luxe, mes cœurs, et je n'ai pas le temps à perdre avec des jeux. Enfin, juste une petite partie alors. Mais toi, je t'ai pas fait, effectivement. Encore un qui va creuser. Ah, c'est moi qui commence. Eh bien, commençons. Oh, pardon. Maintenant tu vas être là en fait. Ah oui non, pas du tout. Toi tu vas aller là en fait, tu pourras te pousser sur le côté, ça posera pas. Il pourra pas me pousser en bas, non il pourra pas. Il pourra d'ailleurs pas me pousser sur le côté non plus. Hein. Non il pourra pas me pousser sur le côté si je fais ça. Moi non plus après, mais c'est pas très grave ça à la limite. Hop! Un petit batteur. J'ai perdu du coup. Oh là là, j'étais nul. Ah, j'étais tellement nul. Qu'est-ce que tu me voles? Ah, y'a que des trucs bien. Ah, pourquoi tu me voles ça? Pas le frappeur fantôme. Bon, je vais prendre ça pour remplacer vite fait. J'aimerais bien récupérer mon frappeur fantôme, c'est bien le frappeur fantôme. Allez, on rejoue. J'ai mal joué. C'est pas grave. J'aime bien quand c'est eux qui commencent. Ça me rassure quelque part.
Oui, va là-haut, vas-y, ça c'est très bien. Ah, ça c'est très emmerdant par contre. Hop, dégage. C'est mon frappeur fantôme, petit bas de terre. Hop, je vais encore me redégager. Même pas. J'ai juste à pousser vers le bas, donc j'ai forcément gagné. Ah merde! Il l'a fait exploser. Bon, c'est pas grave, ça change rien au final, mais. On va se récupérer mon frappeur fantôme. Ah, je pourrais choper un Mole Knight aussi. Oh, c'est triste. Le frappeur fantôme, c'est bien. J'ai mis quoi à la place du frappeur fantôme? J'ai mis ça, hein. J'ai mis un truc qui explose, je crois, non? J'ai mis un peu un truc au pif en vrai, donc j'ai pas fait gaffe à ce que j'ai mis. Ah, j'ai oublié d'ailleurs en fait, je peux aller faire un petit. Ah, quoique. Plutôt que d'augmenter ma magie, je pense que je devrais garder pour le prochain pouvoir magique. Oh, j'étais perdu. Dans mes histoires, quoi de neuf? Votre histoire. J'ai vu grimper un nouveau passager, on voit aller et venir pas mal de monde quand on est pilote. Et votre équipage, indéfectible, la gazelle est ma maison et je reste auprès de mon troupeau. En fait, je traîne avec Coquelet depuis l'époque où il cherchait à échapper à la milice. Bref, ça suffit, c'est comme ça, tournons plutôt la raison. Il y a une chose, non pas maintenant, essayons d'abord. D'accord. On va juste aller à la prochaine map et on va arrêter. Il me manque un passage, mais honnêtement, c'est pas très grave. Donc là, il y a la glace, la tour de l'horloge et le la machine aérienne. Ah, c'est bien, il y a les trois dispo direct, c'est marrant. Le navire échoué. Ah, c'est un navire échoué. D'accord. Ah, pardon. Ouf. Eh ben. L'horloge. Ouais, j'ai rien. C'est pas un vrai niveau, j'aimerais bien commencer ça la prochaine fois et pas cette fois-ci. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour le coup. Oui, je suis même sûr que je vais m'arrêter là pour le coup. Retour à l'écran titre, tout à fait. Eh ben, en tout cas, merci d'être passé. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain stream. Je sais pas quand, on verra. Je vous fais des bisous, puis à la prochaine.